Alors, peut-être, comment conciliez-vous le libre choix d'activité par l'enfant et le fait de l'encourager à persévérer sur une activité qui ne l'intéresse plus car il n'y arrive pas? Alors, en fait, il y a plusieurs choses dans cette question, à mon avis. Déjà, il faut savoir que la classe est organisée avec ce libre choix d'activité. Et donc, les enfants ont un peu l'habitude, assez rapidement, même quand ils sont petite section, de voir comment ça fonctionne. Donc, ils savent comment ça fonctionne. L'autre chose, c'est que les éducateurs connaissent les activités qui ont été faites par les enfants et se doivent de les réorienter. Quand de temps en temps, c'est difficile de faire un choix parce qu'il ne faut pas se voiler la face. De temps en temps, c'est difficile de faire un choix, même pour les adultes. Donc, c'est vrai que c'est aussi à nous de les aider en leur disant bah, « Je vois, c'est dur, tu veux que je t'aide à trouver une activité. Ah, bah, tiens, tu te rappelles, tu aimais bien faire cette activité-là. Est-ce que tu veux la refaire ?» Donc, de vraiment leur proposer. Et ensuite, au niveau de l'encourager à persévérer sur une activité qui ne l'intéresse plus car il n'y arrive pas, souvent, ce qu'on fait, c'est que quand les enfants n'y arrivent pas, c'est que peut-être ils ne sont pas encore prêts à faire cette activité. Donc, nous aussi, on a un regard d'éducateur et on doit pouvoir savoir si effectivement ce n'est pas le moment. Peut-être que ce n'est pas le moment de présenter cette activité. Donc on va peut-être attendre. Ou peut-être que l'enfant, à ce moment-là, n'a peut-être pas envie pour une raison qui est hors de la classe. Donc si on voit que ça perdure sur plus de temps, on va pouvoir questionner bah, comment ça va, qu'est-ce qui se passe? Et puis ensuite, si on voit qu'effectivement il y a quelque chose qui se passe, on peut aussi parler aux parents pour leur poser la question de ce qui se passe en ce moment, est-ce qu'il y a quelque chose qui chagrine l'enfant en ce moment à la maison? Voilà, donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, les activités, parce qu'ils n'y arrivent pas, c'est en fait, ça voudrait dire simplement que cette présentation n'est pas encore adaptée. Par contre, Et puis l'enfant, pardon, et de vas-y, l'autre vas-y. côté, non, mais l'enfant, il n'y arrivera pas forcément de faire l'activité. Il va essayer plusieurs fois et puis au fur et à mesure, il va répéter l'activité, il va peut-être réussir. Mais en fait, si on fait une présentation et que l'enfant arrive tout de suite à faire l'activité, c'est que la présentation, on l'a faite trop tard et que c'était plus intéressant pour l'enfant. Donc en fait, l'encourager à l'utiliser, il le fera un peu naturellement parce que l'enfant va avoir envie de répéter, va avoir envie de refaire, va avoir envie d'essayer, de tester. C'est ce qu'on constate dans les classes en tout cas. En tout cas, Et ça puis, dé... Pardon. pardon, le libre choix d'activité aussi, ce que je voulais dire, c'est que l'enfant, au début, parfois, comme tu disais, il y a beaucoup d'activités. Donc, on peut lui proposer ça ou ça comme activité. Parfois, l'adulte, on va lui dire, bah, surtout pour les petites sections, je te propose de faire soit cette activité-là, soit cette activité-là. On va l'aider dans ce libre choix à recentrer son intérêt sur une À activité. fait. Et on est là pour et aussi leur dire, ben voilà, je te propose de faire ça ou de faire ça. Et aussi, il y a quand même quelque chose que nous, on diffuse. On va dire, bah, tu vois, là, c'est pas, par exemple, je sais pas, aujourd'hui, typiquement, j'ai un enfant dans ma classe qui traçait, en fait, les continents de géographie. Et à un moment, c'était difficile de tracer. Il a fait une petite, son stylo et son crayon est parti. Bah, il m'a dit, oh non! Et puis ensuite, il m'a dit, bah oui, ça arrive quand on apprend. Et oui, c'est aussi notre rôle de dire, bah oui, mais quand on apprend, bah tu vois, on n'arrive pas tout de suite, on recommence, et puis c'est pas grave. On va donc vraiment, on est dans quelque chose de bienveillant et d'apaisant par rapport à ça. Donc les enfants, ils le sentent, on n'est pas en attente d'un résultat. Voilà, on accompagne les enfants, on les aide, et puis effectivement, ça suit son cours. Et si jamais sur une activité, on sent qu'il n'y a pas d'intérêt ou c'est pas le moment, ben, on représentera. Nous, c'est ça aussi notre travail, de pouvoir reproposer à un autre moment. Donc, j'espère que nous avons répondu à votre question.